Bon vendredi, mesdames et messieurs. Le nombre de plaintes pour maltraitance envers les aînés a considérablement augmenté au Bas-Saint-Laurent. Les chiffres qui ont été divulgués pour la dernière année, Marie-Hélène, on dénombre en fait deux fois plus de plaintes en 2022 qu'en 2021. Oui, en effet, 144 plaintes ont été rapportées en 2022, alors qu'en 2021, on rapportait uniquement 82 plaintes. Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services au 6 du Bas-Saint-Laurent, Éric Parent, attribue cette augmentation au fait que la population soit de plus en plus sensibilisée à la maltraitance envers les aînés. La loi sur la maltraitance adoptée en 2017 et révisée en 2022 aurait eu un impact positif à ce chapitre. Cette loi oblige, entre autres, le personnel soignant à dénoncer tout cas de maltraitance envers les personnes âgées et vulnérables, que ce soit dans les hôpitaux, à leur domicile, dans une résidence pour aînés ou encore dans un CHSLD. Toute personne qui contrevient à cette loi s'expose à des amendes salées qui peuvent être de 5 000 à 250 000 $. Il faut dire qu'il y a plusieurs sortes de maltraitance envers les aînés. Oui, on en dénombre 7 types. Elles peuvent être psychologiques, physiques, financières, sexuelles, organisationnelles. Ça peut être de l'âgisme ou encore une violation des droits de l'aîné. Enfin, mentionnons qu'il y a une ligne téléphonique à laquelle les aînés victimes d'abus peuvent appeler, la ligne qu'on appelle 3A pour aide abus aîné. Merci Marie-Hélène. Merci. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est finalement arrivé hier soir dans la région de Charlevoix. Il a fait une visite surprise à l'hôpital de la Malbaie. L'élu a également discuté avec le personnel de l'urgence pour prendre le pouls sur le terrain. Il a souligné sur Twitter le côté très humain des employés et la proximité avec les paramédics. Le ministre Dubé poursuit sa visite du côté de Baie-Saint-Paul aujourd'hui. Il est la tête d'affiche, on se rappelle, du sommet des partenaires. Sa conférence portera sur le leadership en temps de crise. Étant donné son horaire très chargé, malheureusement, son équipe a refusé notre demande d'entrevue. Les citoyens de Kakuna, branchés sur le réseau d'aqueduc, doivent faire bouillir leur eau depuis maintenant 11 jours. Un avis d'ébullition nécessaire parce que l'eau ne répond pas aux normes du ministère de l'Environnement. Il y a les citoyens là, qui se débrouillent. Oui, bien c'est sûr, 11 jours, c'est quand même long, alors qu'ils doivent faire bouillir leur eau 5 minutes pour être certain qu'elle soit bonne ou en acheter à l'épicerie. Les opinions là, sur la situation diffèrent d'un citoyen à l'autre. Quand ma femme a fait à manger, ben c'est toujours avec de l'eau chaude qu'elle fait bouillir aussi. Hein. Si vous voulez qu'on fasse. Je trouve ça difficile parce que faire bouillir l'eau 5 minutes, c'est pas évident. Là. Des fois, ça fait comme un dépôt aussi dans le chaudron. Puis j'ai pas beaucoup d'énergie, fait qu'aller chercher des bouteilles d'eau, c'est pas évident. J'ai des bouteilles, puis on fait bouillir de l'eau, puis on s'arrange de même. C'est pas la fin du monde de faire bouillir son eau. Fait qu'il y a des affaires pires que ça dans le monde, avec la guerre et tout. Là. Des choses pires que ça dans la vie, là. Je trouve aussi, c'est qu'ils avaient dit qu'ils nous avertiraient tous les jours sur le site Internet. Puis là, j'ai vu qu'ils allaient l'annoncer par la poste ou par les réseaux sociaux, mais moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Bon, la municipalité qui tient à rassurer quand même la population. Oui, on a pu parler avec Suzanne Réaume, qui est mairesse à Kakuna, et elle se veut assez rassurante. Là, durant les 11 jours, la qualité de l'eau s'est considérablement améliorée et que des analyses d'eau sont toujours en cours. Elle a bon espoir que ça revienne à la normale au courant de la semaine prochaine et souhaite dire aussi qu'il n'y a pas de colis ou de bactéries dans le genre dans l'eau. Ce serait plutôt relié à des travaux de remplacement de conduite d'alimentation du puits principal de Kakuna, apparemment, que l'eau y entrait comme de la boue. C'est pourquoi Suzanne Réaume dit que la raison est végétale. Merci, Alison. Au revoir. Lorsque vous êtes au volant, est-ce que vous respectez la priorité de passage aux intersections? Eh bien, les policiers d'Edmundston constatent que c'est un véritable problème. Une analyse sur les causes des accidents a été effectuée. Et Mylène, c'est souvent ce qui provoque des collisions. Malheureusement, oui, elles arrivent très souvent. La force policière reçoit 400 appels chaque année pour ce genre d'accident. D'ailleurs, ce matin, une collision a eu lieu à Edmundston dans le quartier de Sainte-Basile. L'une des voitures n'a pas respecté le passage de priorité. Aucun blessé grave n'est à déployer, mais les dommages sont importants. Les deux voitures sont cassées et vont certainement finir à la ferraille. La force policière veut prévenir de ce danger et éviter que les accidents se produisent. Lorsqu'on arrive à des intersections, ce qui est important, c'est de bien s'assurer de regarder des deux côtés. De s'assurer que c'est sécuritaire de s'engager sur la voie. Le fait de s'arrêter un panneau d'arrêt, puis de s'engager et couper le chemin à un autre véhicule est en soi une infraction. Le chef de police demande justement à la population de conduire prudemment, de prendre son temps, de respecter les limitations de vitesse et d'arrêter son auto à chaque intersection. Dans leur communiqué d'ailleurs, la force policière a mentionné, je cite, « Vous doutez, cédez ».
La force policière a d'ailleurs mis en place un moyen de surveiller les automobilistes aux intersections et une prévention est plus poussée en zone scolaire pour la sécurité des enfants. Merci Mylène. Merci, au revoir. Le verdict est tombé dans le dossier de Hakim Hardy, déclaré coupable d'agression sexuelle et de voies de fait en mai dernier. Le juge de la Cour du Québec a tranché pour une peine de prison de 30 mois de détention. L'homme sera inscrit au registre des délinquants sexuels pour 20 ans. Par ailleurs, peu après la lecture du verdict, un membre de la famille de l'accusé a dû être escorté hors de la salle de cour et des accusations d'entrave, d'intimidation et de menaces envers un constable spécial du palais de justice pourraient être déposées. Une autre arrestation a été effectuée en lien avec ce présumé trafiquant de drogue de Saint-Jean-de-Dieu. On se rappelle que Samuel Caron, 31 ans, était en possession le 12 janvier de plus de 12 000 comprimés de méthamphétamine et d'un kilogramme de cocaïne. Eh bien, les policiers ont voulu mettre fin aux activités de revente de cet homme. Une saisie a été effectuée hier avec un maître chien dans une résidence de la route du fleuve à Notre-Dame-du-Portage. Environ 4 grammes de cocaïne et du cannabis ont été saisis. Et sur place, Charles Léger, 29 ans, a été arrêté et devrait être accusé notamment de possession en vue de possession de stupéfiants en vue de trafic. Seriez-vous en mesure de cesser de consommer de l'alcool pendant 28 jours? Eh bien, la Maison et la Fondation Jean Lapointe lancent ce défi à la population encore une fois cette année. Jérôme, l'artiste de Charlevoix, Geneviève Jourdouin, qui agit comme ambassadrice. Oui, l'artiste et ancienne gagnante de l'émission La Voix participe depuis 3 ans au défi 28 jours. Pour une 10e année, la Fondation Jean Lapointe organise ce défi sans alcool en février. Il s'agit d'une occasion supplémentaire de se questionner sur sa consommation tout en donnant pour la prévention aux dépendances Estime Éduc'alcool. Geneviève Jourdouin a été approchée cette année afin de devenir l'une des ambassadrices de cette campagne de sensibilisation de l'organisme œuvrant à prévenir et traiter les dépendances. L'insulaire a souvent été entourée d'alcool, propriétaire d'une auberge et chanteuse souvent en tournée. L'alcool est devenu familier au fil des ans pour elle. Depuis son arrêt, Geneviève Jourdouin indique qu'elle ne s'est jamais autant bien sentie. Elle est sobre depuis déjà plus de 3 mois et la femme insiste. Elle ne juge pas ceux et celles qui boivent. Elle souhaite simplement joindre sa voix au mouvement et raconter les bienfaits d'avoir une réflexion autour de cette consommation d'alcool. Nous pourrons entendre ce soir son témoignage touchant dans mon reportage du bulletin régional du 18h. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. L'École de français du Cégep de Rivière-du-Loup met fin à ses activités. Après 45 ans d'existence, le programme ne sera pas de retour en 2023. La baisse des inscriptions et les besoins de formation importants en entreprise ont incité le service de la formation continue à prendre cette décision. Le nombre d'élèves inscrits avait diminué avant la pandémie et seule une formation en ligne a été donnée en 2021. Et dans ces belles années, le Cégep pouvait accueillir 200 étudiants qui désiraient apprendre le français au printemps et à l'été via le programme Explore du gouvernement fédéral. On peut dire que c'est une page d'histoire qui se tourne à Rivière-du-Loup. Ça a été bon pour la communauté. Il y a eu des familles au test. Les entreprises y ont grandement participé pendant 45 ans. Les transporteurs aussi, parce que ces gens-là, il y avait des activités culturelles. Ça paraissait là, au mois de mai, juin, juillet, août là, qu'il y avait des étudiants anglophones en ville. Les sports, une présentation de Grand Portage Volkswagen. Démarrer l'année en beauté avec nos nouveaux modèles 2023. Rivière-du-Loup se prépare à accueillir pour la première fois du hockey féminin professionnel ce week-end. La Force de Montréal débarque au Centre Premier Tech pour 2 matchs au profit de l'Association Hockey Rivière-du-Loup. Ces matchs qui seront présentés samedi à 15h et dimanche à 13h contre Boston. Cette nouvelle équipe québécoise qui se promène aux 4 coins de la province afin de promouvoir le hockey féminin. On a une belle opportunité de vraiment faire le tour du Québec. Montrer c'est quoi du hockey féminin, montrer c'est quoi notre calibre. Et la beauté là-dedans, c'est que pratiquement tous nos matchs, les estrades sont pleines parce qu'on a des nouveaux partisans qui s'ajoutent. Et en plus, ben, je suis bien contente d'être à Rivière-du-Loup parce que je suis originaire du Nouveau-Brunswick, Saint-Quentin. Donc, je vais avoir plusieurs membres de ma famille qui vont être présents pour le match.
Une fin de semaine très importante attend les 3L avec deux matchs contre des équipes en avance au classement sur les Louperivois. Demain, ils reçoivent Jonquière au Centre Premier Tech dans un week-end complètement hockey à Rivière-du-Loup avec les Albatros et la Force. Et ce soir, eh bien, les 3L affrontent la Surantia. Et la dernière fois qu'ils ont battu Thetford, l'entraîneur Bobby Barry qui avait qualifié les visiteurs d'équipe somnifère, l'émotion qui risque donc d'être à son comble. Un match spectaculaire. On va essayer d'être complètement différent d'habitude. Donc, en fait, pour être honnête, c'est un match de séries éliminatoires. On s'attend à ce qu'il y ait une ambiance survoltée dans l'aréna. Puis, on sait que Thetford nous attend de pied ferme. La météo, une présentation d'Accent Meubles Déco Centre Levasseur. La météo, Francis, bon, on a une journée quand même grise pour terminer la semaine, mais le bon côté, c'est loin d'être froid à l'extérieur. Voilà, Catherine, même si c'est un vendredi là, sous la grisaille, c'est tout de même une journée hivernale douceur côté Mercure. Ça vient un peu compenser la présence de la masse nuageuse qui est présente un peu partout, alors qu'il y a des petites possibilités d'averses de neige sur nos secteurs. Certains plus chanceux auront des percées de soleil, là, comme c'est le cas sur Rivière-du-Loup. Donc, les mercures se situent entre moins 2 et moins 6 degrés. Donc, on va perdre quelques degrés là, cet après-midi en ressenti, entre moins 11 et moins 15 degrés. Donc, une journée confortable pour les activités extérieures. Donc, ce soir, ça va être nuageux sur Rivière-du-Loup et Edmundston avec une petite probabilité d'averses de neige. Sur Charlevoix, la masse nuageuse va se dissiper là, au cours de la soirée. Donc, les vents nord-est devraient être très légers là, également. Les degrés se rapprochent tranquillement là, des valeurs de saison. Cependant, avec le facteur éolien, on pourrait atteindre en ressenti près de moins 18 degrés sur Rivière-du-Loup et jusqu'à moins 21 degrés sur Edmundston. Demain, ça va être assez froid lors de notre réveil un peu partout avec le facteur éolien, particulièrement sur Edmundston, avec toujours ce moins 21 degrés. Ensuite, on va retrouver des degrés douceur et confortables au cours de la matinée. Ce sera un samedi avec un ciel généralement bleu et lumineux sur l'ensemble de nos secteurs, là, comme on le voit au tableau. Maintenant, à long terme, donc on va voir que sur Rivière-du-Loup, bien, ça va être assez gris là, dimanche. Lundi, on trouve le soleil en alternance mercredi avec de la neige jeudi. Sur Charlevoix, 60% de possibilité d'averse dimanche. Lundi, la grisaille persiste et ensuite, on retrouve les rayons ici et là. Et mercredi, enfin sur Edmundston, donc lundi, mercredi, bien, c'est de la neige. Ensuite, on aura quand même des épisodes de soleil de votre côté. Merci beaucoup, Francis. Bien, je vous en prie. Alors voilà, c'est complet pour ce midi. Soyez là ce soir, bien sûr, pour le TVA Nouvelles de 18h et passez un très bel après-midi.